un nuage d'insectes verts dans la forêt et un lavabo où l'eau tourne à l'envers. Ces deux scènes sont les premiers souvenirs, encore vifs, que l'auteur de ces lignes a de la série X-Files. Ils sont respectivement issus de l'épisode Quand vient la nuit en saison 1 et de La main du diable en saison 2. Mythologie bordélique et monstre en tout genre de sa première diffusion, un dimanche de juin 1994, sous le titre Aux frontières du réel, à son revival en 2016, en passant par deux films cinéma, X-Files a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, avec son irrésistible duo Mulder et Scully, sa mythologie extraterrestre bordélique, ses monstres en tout genre, et son ambiance unique. À l'occasion du lancement de la saison 11 samedi soir sur M6, vous êtes invité à fouiller dans vos souvenirs, ou vos vieilles VHS double vitesse, pour évoquer votre première fois avec la série culte, votre épisode favori, et peut-être le pire, si vous en avez un. Vous avez découvert X-Files en douce, caché derrière le canapé des parents, vous ne vous êtes toujours pas remis de la Nazazi, vous aimez moi l'épisode 138, dites-nous tout à contribution 20 minutes. FR, la vérité est ici.